Voilà, je vous ai fait voir un peu l'esprit de mon jardin. Il y règne une grande paix. Il y règne une ambiance particulière, je dirais, qui me convient, qui me ressemble. C'est l'esprit. Et puis, aujourd'hui, je sors un peu malgré la fine pluie qui tombe pour juste faire un peu de marche, très peu, parce que je suis quand même en convalescence suite à l'incident dont je vous ai rabattu les oreilles. Et hier, ça a été un peu hard. Aujourd'hui, ça va un peu mieux, mais je me sens très affaibli. C'est pas plus mal, parce que dans ces moments-là, on est comme dans du coton. Et puis, pour le coup, ça oblige à prendre du recul, surtout quand on voit le sang, beaucoup de sang. Ça permet de... ça crée une forme de renouvellement. Le corps, évidemment, se refabrique du sang, se renouvelle, peut-être, parce que ça a un sens. Et peut-être que c'est ce qui provoque en moi cette distance. Je ne sais pas si ça va durer, c'est peut-être provisoire, mais une distance par rapport aux éléments d'actualité. Je ne suis pas touché par ce qui arrive, ce qui se passe. Je regarde, oui, mais c'est comme si l'actualité était d'un seul coup comme une forme de film ou de série, c'est-à-dire un truc qu'on regarde avec juste pour le divertissement, mais ça vous atteint pas, ça vous touche pas, ça fait rien, ça résonne même pas. C'est peut-être provisoire, mais c'est l'état dans lequel je suis, suite certainement à une forme de rupture qui s'est fait en moi. Peut-être que ça va ouvrir d'autres portes, je l'espère. Et peut-être que mes vidéos seront différentes, auront des... Je ne sais même pas comment celle-ci je vais l'intituler. Je vais l'intituler Mon Jardin. Voilà. Parce que... il y a quelque chose d'authentique à trouver. Il y a quelque chose d'essentiel à percer, à relever. Et ça, j'ai pas envie de passer à côté. J'ai pas envie de négliger cet aspect-là, tellement l'essentiel est vraiment ailleurs, et j'ai peur que l'actualité, ce qui fait vivre l'actualité, qui fait vivre les chaînes, parce que les gens rebondissent sur tous ces éléments d'actualité, j'ai peur que ça nous déconcentre et que ça nous divertisse. Que ce soit une diversion, que ce soit une diversion de la chose essentielle. Donc c'est pas exclu que la nature de cette chaîne change à nouveau. C'est pas exclu. Peut-être qu'au début, j'avais peu de succès quand j'avais cette chaîne, parce que le harcèlement moral me semblait... important, il me semblait important de traiter cette question du harcèlement moral. Ça, j'y reviendrai toujours, de toute façon. Oui, c'est important. Et puis ensuite, il y a eu le Covid, il y a eu tout ça, et ma chaîne a... C'est vrai que était extrêmement confidentielle au début, et puis ensuite, elle a pris de son essor avec les événements qui nous ont perturbés, quoi, avec cette ingénierie sociale qui a été mise en place, qui était extraordinaire, qui a pris des proportions tellement énormes que
que c'est vrai qu'on a, à cette occasion-là, j'ai eu beaucoup de gens qui se sont abonnés à ma chaîne parce qu'ils étaient chez eux, parce qu'ils aimaient trouver des gens qui pensaient comme eux, ou tout au moins qui réagissaient comme eux. Et c'est comme ça que j'ai réussi à développer cette fameuse chaîne YouTube qui aujourd'hui... c'est possible que ça ralentisse, hein. C'est possible que quelque chose... je ne sais pas si vous me suivrez, c'est pas sûr, parce que soit on continue à faire des, vous savez, des vidéos qui font des vues pour sur des questions, mais c'est pas exclu, je n'exclus rien, mais c'est pas mon, ça va pas être mon principe de faire des vues pour des vues, non, ça c'est pas du tout mon principe. Je vous l'ai dit, déjà. J'ai pas envie qu'on force les gens à s'abonner, je veux pas rentrer dans ce côté mercantile où on, vous savez, on fait la quête, abonnez-vous, mettez votre pouce, faites des dons. Car à propos de dons, je vais vous dire quelque chose, il faut que j'en parle. Mais non, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens et puis c'est pas ça que je cherche. Je cherche pas le, vous voyez, le... Je veux que le don il soit fait vraiment du cœur, que ça vienne du cœur. Je ne veux pas arracher aux gens par un procédé quelconque le fait qu'ils me donnent. S'ils me donnent, je veux que ce soit une impulsion comme ça, du cœur. Tiens, je lui donne, c'est tout. Ça, c'est bon. Mais c'est pour ça qu'il faut que ce soit spontané. Mais c'est pas... Et puis le nombre de vues, c'est pas non plus... Oui, c'est sûr que ça génère, c'est ça qui génère de l'argent près de YouTube, mais je m'aperçois que à partir du moment où on a suffisamment pour vivre, c'est pas, ça sert à rien d'aller chercher à, voyez, à gagner plus qu'on a besoin, quoi. Donc ça sera plus intime, certainement. Plus intime, plus profond, plus... Parce que voilà, c'est toujours pareil, il faut arriver à faire un pas de côté pour retrouver l'essentiel, retrouver la question, retravailler la question, sur laquelle beaucoup m'ont suivi, parce que j'y suis revenu parfois, mais c'est vrai qu'avec les actualités, on rebondit, on s'énerve, on s'excite, on s'enflamme à propos de choses tellement abscontes, tellement... Et puis, leur donner de l'importance à tous ces gens, ça n'a pas trop d'intérêt. On les nourrit, on leur donne de l'importance à tous ces clowns. Ils sont tellement méprisables et méprisants. Non, ils sont méprisants, mais ils sont méprisables surtout. Et qu'on n'a pas... On doit pas les... Il faut presque être indifférent vis-à-vis de toute cette fausse élite, hein, cette fausse élite et ce faux monde en fait. On est dans un faux monde et dominé par une fausse élite, voilà. Et donc cherchons le vrai monde, cherchons qu'est-ce que c'est que le vrai monde. Donc voilà un peu. Alors à propos de dons, j'ai reçu un colis. La personne s'appelle Anne, il y avait des chocolats, une carte très gentille, et puis un paquet de café, et donc, et aussi la nourriture pour Cannelle. Elle va peut-être s'absenter la maîtresse, donc on lui donnera. Et cette dame, Anne, j'ai cherché son mail parce qu'elle... Elle m'a envoyé un mail pour me demander mon adresse et je ne retrouve pas. C'est-à-dire que le mail qu'elle m'a donné ne correspond certainement pas à son nom. Et je voulais la remercier personnellement, comme je le fais à chaque fois, par mail. Et je me permets de la remercier à travers cette vidéo parce que je n'ai pas retrouvé son mail. Donc si elle veut qu'elle laisse un message en me précisant son mail ou qu'elle m'envoie un mail à nouveau pour me préciser que c'est elle qui m'a fait ce beau colis,
généreux et qui m'a touché, bien sûr. Ça vous touche toujours quand on reçoit quelque chose de matériel comme ça. C'est des chocolats, des choses comme ça. C'est très très gentil. Ça prouve au moins qu'on sert peut-être à quelque chose. Au moins ça sert peut-être à quelque chose. Alors oui, aujourd'hui, vous voyez, c'est humide. Mais il fait beau. Enfin, il fait beau. Il fait doux. Il fait très doux. Il fait 15. Ce matin, quand je suis allé faire les courses dans la voiture, je voyais qu'il faisait 16 degrés. Et... Mais par contre, c'est toujours humide. Mais ça va. Ça va. Si j'arrive à enregistrer, malgré cette petite pluie fine, alors ça va. C'est bon. Puis il faut pas que je marche de trop. Je tiens pas trop à marcher pour pas déclencher d'hémorragie parce que j'ai donné et j'ai pas envie que ça recommence cette nuit. Drôle d'affaire, mon histoire. Ouais, drôle d'affaire. Drôle d'histoire. Voyez, je monte tranquillement et après, on va retourner. On va retourner à la maison et voilà pour le moment. On va s'arrêter là pour le moment. On va pas trop forcer. Il y a beaucoup de gens qui me suivent et qui sont seuls. Je le dis souvent, mais c'est vrai. Je comprends la solitude. Vous savez, il y a deux choses. J'ai constaté, il y a deux choses qui vous isolent. Il y a la ruine, c'est-à-dire quand vous n'avez plus d'argent, les amis disparaissent, et la maladie. Il y a deux principes qu'il faut savoir et qui vous isolent. C'est comme ça. On peut réfléchir dessus, mais quand j'ai perdu mon entreprise, que j'ai été, on peut le dire, ruiné, d'un seul coup, ça a été table rase de toutes les relations que j'avais. Même les relations amicales et tout ce que vous voulez. Table rase totale. Quasiment, à part un ou deux contacts qui ont demeuré, mais sinon, c'était fini, je n'existais plus. Alors évidemment, à l'époque, ça m'avait fait un choc parce que, comme j'étais quelqu'un d'assez généreux, eh bien j'ai compris que quand vous êtes généreux, vous n'avez pas forcément le retour le jour où vous êtes, vous, dans l'embarras. Premier constat, amer, je dirais. Première amertume, on goûte l'amertume. Ce n'était pas la première fois, enfant, je l'ai goûté, mais là, c'était violent, puisque j'étais établi, j'avais une boîte qui marchait bien, et puis d'un seul coup, je ne vais pas vous expliquer pourquoi, mais il y a des facteurs qui ont conduit à être ruiné et donc vous vous retrouvez seul. Bon, ça, tous ceux qui ont vécu ce que j'ai vécu savent que c'est un mécanisme archi... c'est pas un mécanisme, c'est une loi. C'est comme ça. Et puis la maladie aussi isole. Mais ça, non pas que je sois malade, hein, c'est rien. Enfin, c'est juste un passage, un moment. Mais on voit bien que on ressent le silence quand on est un gros pépin physique, ce qui m'est arrivé. Un gros silence. Non pas de mes abonnés, que je remercie au passage, qui ont été extrêmement solidaires, qui ont prié pour moi, qui ont pensé à moi et qui ont laissé des messages de soutien. Mais je parle physiquement, autour de moi, physiquement. Là, on sent que... On dit, ah, ça c'est un petit avertissement. Là, quand vous êtes pas bien, quand vous êtes malade, ça attire pas les foules. Hein. Ni les coups de téléphone. Donc c'est là que on voit la fragilité, si vous voulez, de nos relations, de nos contacts, de l'environnement dans lequel on pense. On se fait l'illusion de vivre dans un contexte avec des relations humaines et tout ça. Et puis quand arrive ce type d'événement,
Il y a comme un, vous savez, c'est comme un thermomètre qui prend la température, une sonde, vous savez, qui va prendre la température, qui va prendre la mesure de vous en êtes. Et là, vous avez une forme de révélation qui est un peu brutale parfois. Donc ça, il faut le savoir. Donc, parmi mes auditeurs, il y a des gens qui se sont retrouvés seuls parce qu'ils sont vieux, parce qu'ils sont veufs ou veuves, parce qu'ils sont malades, parce qu'ils sont handicapés, parce qu'ils n'ont pas d'argent, parce qu'ils sont en galère, et tout ça n'attire pas les foules. Ce qui attire le monde, le public, c'est ce qui brille, il faut briller. Vous avez du succès, vous allez briller un instant d'une manière, je dirais, presque artificielle, matérielle. Là, les gens vont venir vers vous, c'est-à-dire qu'ils vont être attirés par votre succès, ils vont être attirés par ce que vous dégagez matériellement, parce que vous dégagez quelque chose, vous êtes la réussite, et la réussite attire, l'échec repousse, la santé attire, la beauté attire, la maladie repousse et la laideur repousse. C'est des lois. On peut trouver ça malheureux, mais c'est comme ça. Est-ce que c'est une manière d'être préparé, une manière est-ce que c'est une aide au discernement? Est-ce que c'est une aide à filtrer? Est-ce que c'est une aide pour des événements qui éventuellement sont susceptibles de se présenter? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tous les cas, il n'y a rien à faire, il y a des lois comme ça qu'on peut repérer et qui sont d'une manière générale, pas systématique, mais je dirais globalement, il y a des grands principes comme ça qui se répètent et qui sont. Quand j'étais à Paris, comme ça, c'était une époque où pourtant j'étais dans les affaires et tout ça, eh bien, je me suis retrouvé une semaine à l'hôpital et pas une visite. Oui, sauf ma mère qui s'était déplacée. Sinon, pas une seule visite. Donc, vous voyez, c'est intéressant. Hein. Il y a quelque chose d'extrêmement cruel dans ces lois. Alors, je ne dis pas que l'homme est responsable, je veux pas culpabiliser, je veux pas non plus. Vous voyez, je veux pas. Dire, ah, les hommes sont méchants, ils sont égoïstes, ils sont superficiels, ils sont matérialistes. Non, c'est des lois qui nous dépassent, qui dépassent même la nature humaine. C'est comme ça. Ça fonctionne comme ça, notre monde. C'est pas étonnant qu'il y ait une forme d'autodestruction, hein. C'est pas étonnant qu'il y ait une déshumanisation progressive et de plus en plus accélérée, puisque c'est la tendance de notre nature d'être comme ça. À chaque fois, je l'ai dit, c'est notre nature le problème. C'est pas la politique, c'est pas les élections, c'est pas la religion, c'est notre nature. Et notre nature, évidemment, est liée à cette nature-là extérieure. Il y a une forme d'adéquation, il y a une forme de reflet.
Parce que les animaux peuvent se comporter parfois aussi d'une manière cruelle. Hein. Faut pas non plus idéaliser le monde animal, le monde végétal non plus. Il y a des parasites, il y a des herbes qui parasitent des arbres, il y a des maladies. C'est un agglomérat de. De principes qui nous échappent et qui nous semblent, d'une certaine manière, si on a pour base des valeurs, qui nous semblent cruelles, quoi. Il y a une forme de cruauté latente, toujours là. Une forme d'aveuglement, une forme de. Vous savez, de. Il y a quelque chose d'absolument aléatoire, quoi. C'est tellement aléatoire que les gens ont beau essayer d'y mettre un sens, des gens qui se persuadent que tout cela a un sens. Je vois que il y a beaucoup de gourous, de leaders spirituels ou de gourous ou de sages qui mettent un sens dans ça, qui cherchent à mettre un sens. Et on voit les disciples répéter ce que le gourou, ce qu'ils ont lu dans les livres, en disant, voilà, c'est pas par hasard que ça arrive, ça a un sens, ça a un sens, ça a un sens. Et moi, plus ça va, plus je m'aperçois que ça n'a pas de sens. Plus ça va, plus je vois que tout est aléatoire. Plus ça va, plus je me demande, c'est comme une vaste loterie où, tu sais pas, tel, il va devenir milliardaire, c'est le plus idiot... des hommes, le plus con, le plus débile, le plus méchant. Lui, il va gagner 1 milliard ou il va gagner 1 million. Puis l'autre à côté, qui est sain, qui est gentil avec ses voisins, qui est prêt à partager, qui est prêt, s'il gagne, à créer des emplois, à faire fructifier cet argent dans le profit de tous, tout ça. Ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Les gens qui gagnent l'auto, c'est toujours des connards. Ça tombe pas sur quelqu'un qui va dire, j'ai gagné 2, 3, 4, 6 millions, je vais créer une boîte dans mon village, tout ça, pour essayer de créer de l'emploi, pour que les gens puissent avoir un emploi dans lequel ils soient bien, créer une belle société, vous savez, n'importe quoi, une fabrique de jouets en bois, ou je ne sais quoi, bon, c'est la mode, mais un truc de bobo, vous me direz, mais... Vous voyez, créer, le gars qui gagne 10 millions, 20 millions d'euros, il peut même créer une société dans laquelle il ne fasse aucun bénéfice, mais juste faire une société qui s'équilibre et dans laquelle il y aura des gens qui auront des conditions de travail proches de chez eux, qui feront peut-être à travers une activité quelque chose qui leur plaît, qui se réaliseront, et puis créer une microstructure, c'est pas compliqué. Si vous réfléchissez à ça, il vous tombe 20 millions d'euros. Est-ce que ça arrive au loto? Non, ça n'arrive pas. Ça tombe que sur des égoïstes qui vont acheter des grosses bagnoles, ils vont acheter 10 Rolls, ils vont acheter un bateau, ils vont aller dans des grands hôtels, ils vont voyager avec tous les cons, les vieux cons qui font danse au canard, qui font le tour du monde dans des cars ou dans des croisières, dans des immeubles flottants. C'est ce qu'ils vont faire. Ils n'auront pas l'idée de faire fructifier. Pourquoi? Parce que c'est aléatoire. Donc il n'y a rien à faire, parce qu'on pourrait très bien dire, écoute, c'est très bien, le destin, il y a un Dieu qui va faire en sorte que tous ceux qui gagnent l'auto sont des gens qui ont du cœur, pourrait, avec les pouvoirs qu'il a, faire en sorte que ça tombe sur des gens très très bien, très philanthropes, et qui vont distribuer, qui vont faire du bien, qui vont apporter du bien à l'humanité. Ça n'arrive jamais. Vous avez vu, tous les riches, pareil, ils pensent... Les Louis Vuitton, tout ça, même les Bolloré, tout ça, qu'est-ce qu'ils font de bien autour d'eux? Qu'est-ce qu'ils ont créé de bien? Qu'est-ce qu'ils font pour le monde? Qu'est-ce qu'ils apportent au monde? Non, rien. Donc, ceux qui ont du pouvoir, ceux qui ont beaucoup d'argent, en fait, ne contribuent pas à un monde meilleur. Parce que le succès, l'argent, l'intelligence, c'est aléatoire. Vous pouvez être très intelligent, très doué pour les affaires, être un vrai con dans la vie, un odieux personnage, mais il vous sera donné ce don. Un don qui va encore presque même d'une certaine manière accélérer l'effondrement de la société, l'effondrement mental et spirituel de la société, puisque d'une manière aléatoire, celui qui aura des qualités qui sont propres
à avoir du succès dans ce monde-là, dans cette dimension où nous sommes, n'en fera rien, rien, absolument rien. Bon. Donc en fait, oui, il y a quelque chose d'aléatoire. Alors, vous voyez, à partir de ce moment-là, on avance prudemment, pas après pas, et on commence, on efface le tableau, on efface tout, on reprend tout à zéro, et on reconsidère la question. Voilà ma proposition. On efface tout, et on recommence. On repart de zéro, et on refait nos calculs. Et on commence par quoi? On commence par des petites choses, des petites observations, toutes petites choses dans les détails. Se nichent parfois des révélations, vraies révélations. Donc on ne part pas d'un point de vue empirique pour décider le sens de notre monde, de la planète et tout ça. On part, comme c'est toujours ce que je vous dis, avec humilité, on part du tout du micro, de la cellule, de la microcellule, et on voit dans le détail, après pas, ce qu'il en est. Mais on reconsidère tout, et on repense tout autrement. On ne réfléchit plus avec les constructions mentales qui nous ont été transmises de génération en génération. Parce qu'il faut savoir une chose, si les choses avaient été révélées, avaient été justes, nous ne serions pas dans un monde aujourd'hui qui est prêt à exploser, où des millions de gens s'entretuent, et des pédophiles et des gens malveillants font du mal partout, ça n'existerait pas. Si quelqu'un avait trouvé la clé, automatiquement, grâce à cette clé, il y aurait eu une diffusion, une contamination, parce que ça aurait tellement été positif que ça aurait contraint l'homme à changer, et certainement que ça aurait permis une mutation de l'espèce humaine vers autre chose, mais pas en tous les cas ce qu'il est aujourd'hui. L'échec de notre civilisation, de notre monde, c'est le fruit des erreurs qui ont été commises en amont. Sinon, on n'en serait pas là. Moi, c'est ma logique, en tout cas. Et je ne pense pas qu'on puisse dire qu'autrefois c'était le paradis, autrefois, il y a 2000, 3000, 5000 ans, 10 000 ans, que c'était le paradis, et que on a la nostalgie du paradis perdu, et que progressivement il y a une régression au fil du temps, une perte de la clé spirituelle fondamentale, primordiale. Et c'est René Guénon, je crois, qui pense qu'il y a une forme de régression temporelle qui nous mène au chaos, alors qu'au début on était des sages et des seigneurs, des gens absolument bons et tout ça. C'est une théorie, mais je pense pas que c'était merveilleux. Si on faisait un voyage dans le temps, on serait certainement déçu par rapport à des périodes qu'on idéalise. Si ces périodes ont existé, en plus. Donc, moi je dirais, on efface le tableau et on repart de zéro. Peut-être que les physiciens peuvent nous aider, hein. J'entendais Guillemant qui, sa dernière conférence était pas mal, qui parlait de cette fameuse conscience collective qui, il a quelques clés, Guillemant, dans ses spéculations physiques. Il a des clés, mais évidemment c'est très difficile de le comprendre, on se perd parce qu'il a un langage technique qui fait que c'est pas abordable pour le commun des mortels. Mais il y a des petites choses qui me semblent parfois intuitivement justes dans cette idée que finalement si on efface tout et si on reconsidère, parce qu'il y a énormément de lois déjà contre-intuitives avec la physique, ça oblige à penser différemment, et des physiciens très en pointe, malheureusement qui ne sont pas vulgarisés, sont en train de déconstruire des lois sur lesquelles on vivait. Et à partir du moment où vous avez des gens, des scientifiques qui déconstruisent, je trouve ça intéressant parce que ça nous oblige à nous-mêmes, ça nous oblige à
à nous déconstruire également mentalement par rapport à tout ce qui nous a été transmis. Et à partir de ce moment-là, on repart, comme je vous dis, on repart de zéro. On dit, bon, allez, on efface tout et on recommence. On recommence parce que ça ne va pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on va s'épuiser. Si on ne prend pas ce chemin, qui est un chemin spirituel, mais j'aime pas le mot spirituel dans ce cas-là, l'utiliser parce qu'il est déformé. Mais si on ne prend pas ce chemin, on va s'épuiser à désigner le mal, on va s'épuiser à contester le mal qui, lui, est tout puissant dans le système dans lequel on est, donc on ne sera jamais gagnant contre lui. On va s'épuiser avec des chimères de jours nouveaux, de nouvelles sociétés, d'un renouveau. Vous savez, la chimère du renouveau. On va s'épuiser à vivre sur des prophéties qui n'arriveront jamais. On va s'épuiser à imaginer un lendemain qui chante, qui n'arrivera jamais, parce que ce lendemain ne peut pas chanter tant que nous-mêmes, nous ne changeons pas de principe et de logique. Donc c'est vrai que se préparer à l'effondrement, être survivaliste, oui, mais pourquoi faire, franchement? Pour survivre dans une société Mad Max? Là aussi, si ceux qui vont survivre, si vraiment on assiste à cette société de Mad Max, c'est-à-dire d'effondrement total et de guerre tout azimut, guerre civile et tout ça, ouais, ceux qui sont préparés vont résister peut-être 2 semaines, 3 semaines avant de se planter comme les autres, ou d'être plantés. Mais ils auront juste 3 semaines de survie peut-être dans un système dégradé, ils auront des réserves alimentaires, ils auront des armes, tout ça, mais ils n'iront pas bien loin. Donc ça ne sert pas à grand chose en fait. Ça ne sert pas à grand chose. L'histoire de vivre dans sa bulle, dans un monde dégradé, c'est une utopie. Enfin, c'est presque idiot quoi, d'imaginer ça. Ça n'arrive jamais. On l'a vu avec les séries d'ailleurs américaines d'effondrement, que ceux qui vivaient dans leur petite bulle, tôt ou tard, il y a un ennemi qui arrive, qui est mieux armé que vous et qui vous défonce et qui pique tout ce que vous avez. Donc ça. Puis vous êtes repéré en plus dans un monde dégradé. Quand vous êtes mieux que les autres, vous êtes immédiatement repéré et donc vous attisez les convoitises. Donc ce schéma-là est une forme de schéma, je peux comprendre, commercial, qui nourrit et qui permet à toute une industrie du survivalisme de vivre. Mais je ne pense pas. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas se préparer, je ne dis pas qu'il ne faut pas s'armer, qu'il ne faut pas avoir des réserves et tout ça. Ce n'est pas ce que je dis. Mais en même temps, je pense que ça, c'est accessoire. C'est très, très accessoire. Ça fait partie des bases. Ça fait partie des éléments essentiels, peut-être, oui, comme d'avoir quelques réserves et tout ça, oui, mais c'est pas ça qui va nous sauver, vous voyez, c'est pas ça qui va nous... Ce qui va nous sauver, c'est notre manière de se mouvoir dans un monde qui se précipite vers une forme de chaos. Et si on n'a rien, nous, à proposer à ce monde chaotique, si on n'a rien, si on n'innove pas, et si on ne l'interprète pas autrement, on va reproduire ce que les autres ont fait déjà. On va se rebattre, les égos vont à nouveau se confronter, ça va aboutir et ça va enfanter un système peut-être pire que le précédent. On tourne en rond comme un hamster dans sa roue. On va tourner, ou comme dans les chadottes. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En tous les cas, j'espère que vous arrivez peut-être à percevoir ce que je cherche à développer. Voilà, je vous souhaite une bonne... On va finir là. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.